La paix soit avec vous. Frères bien-aimés, nous sommes en plein carême. Et comme nous avons commencé depuis le mercredi décembre, quelques enseignements, un rappel important. Le carême, d'une manière traditionnelle, tourne autour de ce que nous appelons les trois P, la prière, le partage et la pénitence. Nous allons essayer de développer toutes ces idées avec des petits enseignements. Commençons par la prière. Comme nous le savons, c'est vraiment la vie du cœur nouveau de celui qui a fait l'expérience de rencontre avec le Christ. Saint Paul nous demande de prier sans cesse, à tout moment. Ça signifie deux choses. Ça signifie d'abord être constamment en présence de Dieu. Vivre à tout moment en présence du Père. Mais ça signifie aussi régulièrement élever d'une manière consciente son âme à Dieu. Il est impossible de vivre constamment sous la présence de Dieu sans avoir des moments forts de prière, des moments choisis. Et traditionnellement, c'est dans l'Église des temps, comme le temps de carême, le temps de l'Avent, ou également le temps ordinaire et le temps de Noël que de Pâques. Mais c'est également toute la semaine qui culmine avec la célébration dominicale du dimanche. Mais c'est surtout la journée, scandée par des moments que nous devons consacrer à Dieu obligatoirement, au lever, au coucher, si possible à midi, et avant certaines activités essentielles. Tous ces moments ne sont pas les mêmes. La prière du matin a quelque chose de spécifique, c'est elle qui donne le ton de la journée. C'est un moment d'action de grâce et de louange, mais aussi un moment pour se nourrir de la parole de Dieu, qui nous permettra donc d'entrer dans toute la journée, guidé par Dieu qui nous dit, qui nous donne le pain de ce jour. Parce que quand nous prions de notre Père en disant, Seigneur, donne-nous le pain quotidien, c'est aussi sa parole. La prière du soir sera un peu différente. Elle commencera par un moment d'examen de conscience, incluant deux dimensions. La première dimension, c'est l'action de grâce pour le droit de Dieu à l'œuvre dans ma vie, mais aussi l'abandon simple entre les mains de Dieu en demandant pardon pour ce qui n'a pas été merveilleux. Et l'offrande de la journée, enfin de la nuit, autant pour moi, à Dieu pour que nous soyons sous sa garde. Mais n'oublions pas de prier avant de manger, de prier avant d'étudier, de prier avant de composer, de prier avant de travailler. Pour que nous ayons cette constance dans la prière, il y a aussi ce qu'on appelle des prières jaculatoire. C'est quoi? C'est comme nous l'enseigne une tradition russe, le pèlerin russe qui marchait en disant tout le temps, Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. On peut en avoir d'autres. Seigneur Jésus, viens à mon aide. Tu es béni, Dieu de l'univers. Dieu, viens me secourir. Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Nous pouvons donc scander toute notre journée, n'est-ce pas, de la prière. Et de temps en temps, nous rappeler de la parole de Dieu qui a nourri notre journée. Alors, chers frères et sœurs, vivons constamment pendant le temps de carême sous la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.